Bon, je vais crafter un SSL B35 pour l'épisode 9 de notre survie sur cette île déserte dans Minecraft The Toffer avec du beau monde aujourd'hui. Tinge, Ben 13 et Démon 3X seront là et on va bien s'amuser. Donc, Mr. Fan, c'est parti vite fait. Et on a retrouvé, on a retrouvé Démon 3X, il était un peu perdu dans une caverne et il a trouvé pas mal de diamants à se demander comment il fait. N'est-ce pas, Démon 3X? Ah, c'est le savoir-faire, hein, c'est... je vais tout vous dire, hein, bien évidemment. J'ai payé Microsoft pour 3,5 milliards... Non, je... What the fuck? Bon. Alors, mais aujourd'hui, on a un sacré programme. Ben 13, redis l'écho, s'il te plaît. Mais moi, je suis presque. C'est tout, bordel. Je ne sais pas, je me suis encore perdu dans la jungle. On a une forteresse à faire. Je vous y conduis si vous voulez, je sais exactement. Ouais, bah, déjà, faudrait qu'on revienne à la maison. Enfin, j'arrive. Non, mais eux, ils le font et nous, on se fait ce... On s'occupe de l'XP. Ouais, si Démon 3X, c'était... Imagine s'il y avait Dovahkiinien et Falavo et Démon 3X ensemble pour une forteresse comme durant la saison 2. Tellement de souvenirs. Pourrais-tu réenchanter mon stuff? Ouais, déjà je vais commencer par me le faire le mien et me ranger un peu tout ce que j'ai en trop. Tiens, je vais commencer par demander à Ben 13 où est-ce qu'il se situe. Je suis aux coordonnées, à peu près. Oui, bah redis-le. Qui a mis un sac d'encre dans les minerais? Moi. 273. Bon, bah alors moi je mets deux des outils usagés alors. 596. Ok, donc déjà. Je suis allé un peu à 200 blocs un peu plus loin. 200. Allez, donc les armes. Je vais te retrouver. Hop. Voilà, 273. Donc ça je garde, ça je peux virer, ça aussi. Ça je 500. Me fous, mais par contre, alors, je vais 273, pas me vider. C'est par là. Je vais pas me vider là-dedans, merci. Paf. Et après, si je vais tout droit, ça change quelque chose. Ou si je vais... Par là, ça change, oui. Du bon, bloc. Hop, hop. Normal. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut à peu près. Et j'ai rien de trop. Et donc on va pouvoir y aller, Tinjoff, on t'attend. Oh, je suis là. Moi, je suis aux coordonnées. C'est bon. J'aimerais juste qu'on réenchante mon stuff. No playing. Good. Comment? Qui a mis un CD? Bon. Y a pas de lac de lave en dessous. Bah, fais gaffe quand même. Allez, t'es un Joff. Tu es très sécurisant. Ouais, tu sais comment? Tu fais la technique où tu te mets sur deux blocs. Où ça? CLB, tu peux me réenchanter mon stuff s'il te plaît. Pardon. Ah oui. Putain, plus long. J'ai oublié les stuff. Bon, j'y vais, je reviens. Comme ça, au moins, regarde, là, tu pètes un bloc. Tu restes sur l'autre à chaque fois. C'est le petit passage en enfer inutile. Une pioche aussi parce que moi je vais comment dire. Attends, je me rééquipe comme il faut. Non, en fait, j'en ai pas. Plus ou moins deux groupes dans cette conversation et que personne ne s'entend bien parler en fait. Eh, tu parlais? Voilà. Alors je suis à 7. Là, on peut se poser quelques questions. C'est quoi la profondeur par contre? Tu vois, c'est 11. 11? Ça va, on est à 63. Protection 1, c'est trop de la balle. Bon. Moi je vais me faire une pioche en bois parce que je vais pas pouvoir descendre avec. Et on remercie Ben 13 pour cette magnifique enclume, n'est-ce pas? Tu peux. Bon, CLB, je te passe mon stuff immédiatement. Immédiatement. Ouais. Immédiatement, alors, genre tout de suite. T'as trouvé ou t'as pas trouvé? Non, mais je suis pas encore en bas, moi. Ça prend du temps, ouais. Ah, protection 1. Je savais qu'on était à couche, on était à plus de 60. J'ai des projectiles protection pour ce casque, ok. De toute façon, j'ai déjà fait, donc. Casque, c'est bon. Là, ce protection, une vraie. Tiens, un protection 2 sur. Pour 3 niveaux, hop, je t'ai fait un protection 2 sur plastron. Alors, c'était. Les coordonnées, elles étaient pile. Pas pile, enfin presque en tout cas. Je sais que j'ai trouvé une grotte en tout cas. Attends, moi je sais où c'est, je connais exactement l'endroit, j'ai pas armé pour dehors. Ouais. Donc j'ai pas pu faire un meilleur enchantement que ça sur les jambières, désolé. J'arrive. Je suis à la mon petit casque. Tu peux m'enchanter ça aussi? Ah, il y a une faille ici.
Oui, mais attends, attends. Attends que j'arrive, je connais. J'ai encore tout ça à descendre. Sharpness 1. Oui, oui, ça me va. Je vais faire un petit passage, je sais protection pas comment. Protection 1 sur mon casque. Et hop, la sharp 1. Classiquement. As-tu encore 5 levels? Ou attends. Ah, j'ai trouvé des torches. J'ai trouvé des torches. Ouais. J'ai encore 5 levels, ouais. Tu peux fusionner ces deux épées de sorte à ce que les pièces. L'enclume a déjà claqué. J'ai cassé l'enclume. Je vais en crafter une. J'ai cassé l'enclume. Madness. Déjà? Attends, reste en officiel. Reste en. Ouais, je sais pas qui voilà. S'est amusé avec l'enclume, mais. Moi j'ai juste nommé. T'es où dans la grotte? Je suis à un endroit où il y a des torches. Et j'ai fait une faute de frappe en nommant mon épée, rage! Ah. Purge les torches. Là où il y a des torches, enfin, ah, ce qu'il dit, c'est là où il y a des torches. Bon. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc, bah, t'es passé devant une faille. C'est quoi comme spawner? Un squelette. Tu l'as refait l'enclume? Ok. Un spawner à squelette. Ah bordel, bon. Attends, tiens, c'est élevé, je te passe tout. Du craft, j'y arrive pas. Oh, félicitations. Tu as fait un bloc de fer en trop. Ouais, bah attends, je vais trouver, t'inquiète pas, je vais réussir par trouver. T'as miné ou t'as juste suivi les grottes pour trouver? Bah j'ai. Moi là, quand j'y suis allé. Ouais. J'ai suivi les grottes et j'ai trouvé un spawner à squelette comme ça. Donc après, je me souviens plus du tout du chemin, moi, enfin. Et voilà, on sait bon, on est prêts, nous, pour le Nether. Mais faites-le sur nous. Bah oui. Enfin. Mais en fait, on s'entend à peine parler, il y a beaucoup trop de bazar, il y a deux groupes séparés, en fait. Tu me suis un Joff? J'arrive. Ok. On a vraiment... C'est vraiment un dash niveau nourriture, mais bon, Mr. Fanax est parfois là pour nous préparer ça. Il est actuellement parti quelque part, on sait jamais vraiment où. Où es-tu actuellement? T'es en quelque. J'ai fait une faute de frappe en vrai. Je suis en 312. Ah, tu vois ton pied. Tu es où, CLB? Je suis dans le Nether. Ok, j'arrive. T'as suivi la crevasse? T'es allé dedans? Oh non, attends, je vais prendre l'eau. Ce qui est sûr, c'est que moi. Aïe. J'en ai trouvé un qui n'était pas exploré. De quoi? C'est un spinner à quoi? Non! Aïe! Wow, je suis pas doué moi. Un squelette aussi, mais. Il y avait. Enfin, je revienne... J'ai encore des trucs dans les coffres. Il va falloir que je revienne prendre de l'eau, désolé. Enfin, s'il y a encore des coffres, non, c'est pas le même. Hein. Parce que moi, c'est long la préparation pour aller dans le Nether. Non, et faire la forteresse. T'as des torches? Rapidement. Voilà, je fais ça. Un squelette m'a looté son là. C'est bon de boire de l'eau. On entend bien, CLB? Ouais, ça va. Non, par contre, je suis totalement paumé, hein. Enfin. Ok. D'accord. Okay. C'est mort. Qu'est-ce que c'est que ce message? Allez, de quoi? Je suis prêt, on y va. Je retourne au co. Alors au cas où si le portail s'éteint, j'ai un briquet. Parfait. Et par contre, tu fais rien d'autre de ton briquet, hein? Non, promis. Je me retiens. J'étais un peu trop joyeux avant. Oups. Ouais, trop joyeux d'avoir retrouvé la voie. Ouais. Ça fait quand même plus de 2 ans que j'ai perdu ma voix, alors... XP. La force magique du quartz est avec nous. Elle va nous permettre d'améliorer nos armes. La force magique du quartz. J'ai fait de la force. Wow. Heureusement que j'ai de la chair à manger. Parce que sinon... Ah tiens, j'ai du pain CLB. Ah. Tiens, la moitié de mon pain. C'est trop gentil. C'est trop gentil. Ok, bon bah le spawner à squelette, le deuxième que j'avais trouvé, vient de péter sous mes yeux. Pourquoi il vient de péter? Parce qu'il y avait un creeper à côté. Ok, une bande d'apparition de squelette. Quelqu'un aurait juste regardé ma vie.
Qu'est-ce qui se passe? Tu es en mauvaise santé? Oui. Je suis malade. J'ai le syndrome Ebola. Achou! Oh mince, c'est du sang. What the fuck? Poulet cuit. Je suis toujours CP. Ouais, t'es toujours là. Je suis toujours là. Être toujours là, c'est bien. On se rend vers une forteresse du Nether. Alors là, ça se voit pas, mais il y a un petit passage. Ouais, tu me dis quand l'épisode de Phoenix, j'ai d'autres trucs à faire. Ouais, bah là, en l'occurrence, il reste encore pas mal de batterie au caméscope. Il faut qu'on aille dans la forteresse. J'aménagerai tout ce chemin plus tard, en fait. Ouais, ok. Ouais, en gros, ça va prendre du temps. C'est ça que tu es en train de me dire. Non, mais c'est pour ça que je récolte. Ouais. Démon. Ouais. Fais-le tout seul le spawner parce que je peux. Enfin. Alors, j'ai fait un chemin jusqu'à l'intérieur. Et je vais pas avoir assez de. Et je connais pas plus. De comment? Attention de squelette noir, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air dangereux. Chut. Oh là, ils ont l'air hostiles. Aïe, il y en a un qui m'a touché, je suis empoisonné à. De l'eau. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est carrément dangereux ça. Oh tiens, c'est mignon ça. Oh mon dieu, des monstres belgiques volants. Des démons. Oh mon dieu, des démons 3X. On a enfin trouvé l'incarnation du diable. Enfin, je pense. Mais oh, c'est moi. Je brûle, je suis empoisonné, je brûle, je vais mourir. Oh mon dieu, je me sens mal. C'est dangereux. Alors, je tiens à dire que j'ai juste un gros problème, mais un petit gros problème, c'est que je n'ai pas de bois sur moi. Alors. Je n'ai pas de bâton. Il me reste 2 cœurs, je suis dans les mines, je sais pas par où je suis arrivé, et j'ai plus de pioche. Attends-moi, CLB. T'as claqué la pioche, hein? Il va falloir me redonner quelques flèches, là. Ouais, j'ai 14 niveaux, j'ai plein de trucs. Bien, et s'il vous plaît, les gens, fermez vos gueules, parce que nous, on fait une forteresse. Cordialement. Non. Non. Je tiens à m'excuser pour tout ceci. Oh mon dieu! A plus les gens, je reviendrai. Okay. Toujours plus fort. Toujours plus haut. A bientôt, allez, démon 3X. Un peu perdu dans les cavernes, il nous reviendra bientôt. Reviens-nous. Oh. Attends-moi, c'est dangereux. Oh my god. Tu voles beaucoup trop, bestiaux. Je suis sûr que t'es belge d'abord. Parce qu'il n'y a que les Belges pour créer des monstres qui ont des frites tout autour d'eux. J'arrive. C'est carrément dangereux. Suis-moi. J'ai vu quelque chose d'intéressant par là. Ouais. Vu que Démon 3X est parti, tu peux peut-être éventuellement nous rejoindre dans le Nether. Mais je suis déjà dans le Nether. Tu suis pas le tout premier chemin de cobalt, tu suis celui qui est derrière le portail en escalier là. Ah, bah, je retourne. Attention, il y a une créature derrière. Oh mon dieu. Encore de l'eau. De la lave partout, c'est. Plus sur le toit là. Ok, une forteresse du Nether. En briques. Niveau architecture, les héros pas mal les monstres du coin. Hein. Ah, ouais. On peut dire qu'on a trouvé Satan. Quoi, il s'est fait embaucher aussi? Oh, j'ai un bâton j'ai une de ses frites. Et moi j'en ai 2 aussi. Vous avez des frites, filez-les moi. Oh tiens, un petit cube qui saute. En lave. Des cubes de lave qui sautent. C'est quoi ils sont bizarres les officiers de Satan quand même, parce que. Oh, tiens, j'ai trouvé un coffre. J'ai trouvé un coffre. Ah bon? Quel genre de coffre? Je sais pas, je suis pas allé regarder, il y a de la lave juste devant. Ok. Yep. Fais gaffe, ça chauffe. Ah, oh tiens, une selle, un briquet, je prends, merci. Je prends. Je l'ai trouvé. Une armure pour chevaux, bon bah pourquoi pas. Hein. Je vous ai trouvé, mais j'ai que 3 flèches. Pas grave. Attention, ça brûle.
Non, je mets aucune flèche. Passer... Ah si. Ah, j'ai 7. On va passer de l'autre côté. Attends, c'est élevé. Il y a beaucoup trop de lave dans ce coin, si tu veux mon avis. Tiens, c'est quoi ces trucs rouges là-bas? Il va falloir traverser la lave. Il y a des trucs un peu rougeâtres. Où êtes-vous? Oh, un chemin. Oh, un copain. Un copain. Oh, un autre copain. Un autre copain. Oh mon dieu! Zelbé, suis-moi, je. J'ai vu plein de coffres, Zelbé. J'ai vu plein de coffres. Attends deux secondes, je pense avoir un truc intéressant aussi. J'ai trouvé un plein joffre. C'est étrange. Je suis sûr d'avoir trouvé un. Ah, voilà! Des sortes de verrues bizarres cultivées sur un de ces sables au visage triste. Zelbé. Des sables? Je des prends. Sables. Du sable avec des visages. What the fuck. Je te suis, mais Delphé, t'es où? Tiens, il y a Ben 13 juste là. Je sais pas trop où je suis là justement. J'suis attends, juste à côté de Ben 13. J'arrive. Je suis là. Il est au niveau du premier coffre. Oh coucou. Venez, suivez-moi, j'ai trouvé plein de. Il y a beaucoup trop de sable avec des visages un peu trop effrayants, si vous voulez mon avis. J'avais pas des bottles de bottles. Bah seulement pour moi, désolé. Parce qu'il me reste un cœur. Bon, je vais te donner ça si t'es vraiment en mauvais état. Y'a rien, y'a aucun danger pour l'instant. Tu bois et tu me rends la fiole. Hop, je fais un petit passage parce que là... Oula, attention! Oula, qu'est-ce qu'il y a? Oula. Y'a un de ces démons juste à côté là. Les démons! J'ai fait un petit passage et il a apparu. Tant qu'il n'y a pas démon 3X, tout va bien. C'est lui qui me fait le plus peur. C'est bon, il est mort. Et puis, comment il se fait une armure intégralement diamant, quoi? Hé, laisse-moi dans les coffres, laisse-moi. Mais moi, je veux quelque chose. Hey. C'est moi qui ai trouvé l'endroit et j'ai rien. Ah oui. Oh, ah, il y a des verrues. C'est ça? C'est ça que tu as trouvé tout à l'heure? Ouais, c'est ça, ouais. Ça nous en donne une quantité assez considérable. Y'a rien par là. On va essayer de trouver des trucs plus intéressants quand même. Je pense qu'on va avoir besoin de ces frites. Au moins que rien que pour manger déjà. Tiens. Non. Je sais à quoi ça sert. Ça se mange pas. C'est très brûlant. Je sais bah, comment on peut s'en servir. Les frites, ça se cuit dans l'huile. Non, mais là, c'est même pas des frites. C'est pas des frites. Mais alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas des frites? C'est un genre de bâton solide de magma. Et je sais qu'est-ce qu'on peut en faire. J'ai eu ça dans un livre et je me disais que c'était n'importe quoi, des créatures volantes. Je sais maintenant ce que ça sert. On peut faire quelque chose pour créer des potions magiques. J'ai un problème là. Crève. Mon dieu. Il résiste à mes flèches. Attention là-bas. Hein. Et c'est le genre de truc avec des frites comme tu les appelles. C'est des... Aïe. Ah. Je vais bien. Ah, ça s'appelle des A. Ah, merci. Non. Félicitations, merci Ben 13, vous êtes une utilité. Ça s'appelle des Blaze. Oui, un truc comme ça. Oh, des Blaze. Au revoir. Ah, j'y vois plus rien. Des Blaze. Attends, des frites. Des frites. Oui, mais des frites de magma. Des frites. Encore un petit squelette noir. À mort. C'est moi ou tu es raciste? Non, c'est juste qu'il veut me tuer lui. Il voudrait pas me tuer, je le laisserai tranquille, mais il veut me tuer. Lui, ça parce qu'il est noir. Non, t'as bien vu, ils m'ont empoisonné ces trucs. Moi, ça, il faut le détruire. Oh mon dieu! Faut le détruire, ça fait apparaître des démons. Non, ne casse pas. Ne casse pas, si on peut faire des potions magiques avec ces histoires-là. Moi, j'aime autant qu'on en prenne quelques frites Bon, moi je m'éloigne, j'ai plus qu'une bouteille d'eau là. Moi j'en ai plus du tout, j'ai tout filé à Ben 13. Attention! À mort! Passez-moi tout, je sais comment faire les potions et tout ça. Passez-moi, passez-moi tous les bâtons. Tiens, je te donne ça. Il me semble avoir entendu parler d'ailleurs de ces histoires de potions et je pense que je pourrais me débrouiller aussi un petit peu. J'ai toute la théorie, il me manque la pratique. C'est sûr que je suis capable, mais j'en ai jamais... Oh, punaise. Attention. Il n'a pas donné sa frite. Heureusement, parce qu'il est parti beaucoup trop loin. Je continue, je vous laisse ici, je vais commencer à en créer des potions. Ok.
Par contre, il faudrait que je retrouve le portail aussi. C'est bon, j'ai trouvé le chemin, c'est bon. Ah. Hop, 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 hop. Ouais, bon. C'est, c'est, disons, un petit peu exagéré, parce que si dès qu'il y en a un qui apparaît, on le tue avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit. Ouais, mais ces créatures sont diaboliques, elles te mettent en feu. Salvé, est-ce que tu n'as pas une autre pioche, parce que je ne suis qu'avec ça. Mais de rien. Moi j'ai une épée magique surpuissante qui vient d'un dragon de diamant. What the fuck? Moi j'ai une épée. Oh mon dieu. Moi j'ai une épée. Hop hop hop. Oh, vous n'allez pas faire mon feu. Ce qui est marrant, c'est qu'avec mon épée, au lieu de me donner des machins pas cuits, ça me donne des machins cuits. Oh mon dieu. Ah. Et ben, moi, ce qui est sympa avec mon épée, c'est mon armure aussi, c'est qu'elle a été craftée dans les forges de dragons. Rien que ça, mais Tinjov, dis donc, où est-ce que tu l'obtiens ton équipe? Non, je suis pas fou. Oh mon dieu. J'ai pas mis mon épée. Ok. Parce que bon, je me sens faible. T'as pas d'eau? Non, je n'ai pas d'eau. Faut que tu me transportes à la base, je peux plus rien faire. Je vais te transporter. Je te couvre. Allez. Je te couvre. Mais je te dis que je te couvre. Quand on se... Je retourne à la maison. Allez, on se retrouve à la maison, les amis. Ah Avec la caméra devant moi, là, franchement, c'est tout sauf pratique. Allez, au revoir. Ouais. Et on se retrouve, j'ai pas mal récupéré. Et ça va donc être la fin de cet épisode. Merci à Démon3X pour son passage. Il prépare des choses avec des circuits électriques concernant le point d'apparition de squelettes qu'on aura pu trouver. Et non, on s'améliore. Donc, oui. Salut. Regarde les noms de mon stuff. Hop. Tu es parfaitement ridicule. Ah, tu es moi. Oh bordel de mince. Bon, moi à ce propos je vais corriger la faute sur le nom de mon épée, quitte à ce que ça me coûte de niveau d'expérience. Et donc voilà, on va devoir s'arrêter ici les amis. J'espère que cet épisode où on aura pu conquérir l'enfer vous aura plu. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, on va faire de nos potions et on va explorer les endroits alentours parce qu'on n'a pas encore tout trouvé. Et on va surtout construire des belles choses parce que la cabane en bois, ça va bien 2 minutes. Donc sur ce, je vous dis au revoir. C'était CLB. Au revoir. Tu peux me rendre mon équipement, CLB? Ah, éventuellement. Ce serait sympa.